Ai-je l'air d'un excentrique, d'un démon ou d'un hors-la-loi? Certainement pas. Je suis officier de la Légion d'honneur. Je l'ai vu tout de suite, mon commandant. Je ne suis pas commandant, je professe au conservatoire et c'est à ce titre qu'on m'a décoré. Je n'en tire pas de vanité. Je vous dis ces choses de sucre. Parce qu'aux yeux de certaines personnes, merci, cet accessoire vestimentaire confère à qui le porte un certain prestige. Certainement. Cet attribut me donne le privilège d'être écouté respectueusement par les imbéciles. Les autres ne me prêtant quelque attention qu'à cause de mon talent, de ma carrière ou de mon passé. Allez, chou. Bref, voilà. Votre nièce est mon élève. Non, c'est trop d'honneur. Laisse parler le commandant. Je ne suis pas commandant. J'en viens au même. Les parents sont bien coupables qui ne respectent pas les cheveux blonds ou bruns de la jeunesse. Cet enfant est un sujet de premier ordre. Et vous n'avez pas le droit de lui gâcher la vie sous le prétexte assez vain que vous lui tenez lieu de mère en qualité de tante. C'est une amoureuse. Comment? Je parle de son emploi. Amoureuse, c'est pas un métier, ça. Je ne doute pas de sa vertu. C'est une régale, si vous préférez. Oui. Je parle du genre de rôle qu'elle interprétera. Oh, si c'est une régale, alors certainement. Voilà. Je vous rends votre lettre pour vous laisser la joie d'avoir le remords de la déchirer vous-même. Alors, je t'en vais même. Bien sûr, il lui arrivait de piquer des crises, hein. Des crises. Tu sais, c'est la fameuse histoire de Don Juan, ça. Au premier acte, je faisais de la figuration derrière avec Riquier et Mono, mes deux copains aussi. Et puis, au bout d'un mois, et demi qu'on jouait, je ne sais plus, quoi. Il me dit, tu écoutes bien, toi, ce que je fais, là, au premier acte, là. Je dis, ben oui, tu fous rien, dans le fond. Il dit, ben non, je fais. Alors écoute-moi, et puis à la fin du premier acte, à partir de demain, tu me donneras une note. Tu jugeras mon interprétation. Alors je lui dis, oh non, ça non, pas trop, je vais pas jouer au con, moi. C'est pas la peine. Comment tu refuses? Tu m'as dit que tu me dirais toujours franchement ce que tu penses. J'ai dit, ben oui, mais là, vous rendez compte, moi, 27, 28 ans, puis vous, le patron... Tu vas le faire, oui, connard. Bon, alors je dis, bon, vous y tenez. Oui, mais bon, ben... Et puis il dit, Mono, t'es à côté de lui, et ben tu confirmeras ou t'infirmeras la note. Et alors, à partir du lendemain, j'ai commencé à lui donner des notes. Et ça a varié entre 14 et 18, en général, quoi. Et puis un jour, on sort de scène à la fin du 1, et il me dit, alors, et je lui dis, 4. Alors, il me dit, quoi? 4, je lui dis. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, je lui dis, ben, je ne sais pas, moi. Il y avait un gars qui se promenait en scène, qui, si Jouvet avait été là, il aurait pu sauver, mais il n'était pas là. Et puis, c'était un acteur qui ne respectait même pas la mise en scène d'un monsieur Jouvet. Alors, ça vaut pas cher, quoi, 4. Alors, il se tourne vers Mono, et Mono était emmerdé parce qu'il ne pouvait pas me... Et c'est vrai qu'il n'avait pas été bien, genre là, il devait être fatigué. Et il dit, ben oui, pas beaucoup. Bon, alors, tu penses, ça a fait le tour du théâtre, cette histoire-là. Et quand on avait fini la pièce et que j'ai été me démaquiller, pendant que je me rhabillais, on entend dans le micro d'ordre, dans le théâtre, Paul Riégère a demandé à la loge du patron. Ah, alors, je finis de m'habiller, je sors. Toutes les portes s'ouvraient des loges, mes copains. Ah, Popol, ça va être ta fête. Quand il va dérouiller. Oh, bon courage, mon vieux. Voilà, il m'attend là, bon. Puis je suis arrivé là-haut. Alors, il a commencé à m'incendier. Parce que, tu comprends, quand tu dis, monsieur, voilà, monsieur votre père, comme si tu disais, je vous présente un représentant d'aspirateur, voilà une dame voilée qui vient vous parler, tu l'as jamais vue, cette dame, tu comprends, elle arrive chez moi, tu me dis, voilà une dame voilée qui vient vous parler, et il parle tout seul comme ça pendant 3 minutes, il en met un bon coup. Et moi, la colère me montait, je commençais à transpirer, et au moment où il a pris une aspiration, je dis, eh ben, c'est pas vrai! Tout ce que vous dites, c'est pas vrai! Moi, j'ai fait mon boulot, mais c'est pas moi qui ai foutu l'acte par terre aujourd'hui. Vous êtes fâché comme un môme à qui on a foutu une mauvaise note. Je t'emmerde, connard. Voilà, oh là, ça monte, ça monte, ça monte le temps. Puis tout d'un coup, il y a eu un grand temps entre nous deux, on était là. Il dit, on a l'air con, hein. C'est une anecdote.
mais qui fait comprendre le personnage, quand je vous dis le côté humain, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de tauliers qui auraient accepté ça. Et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Et vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Ben, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. De quoi souffrez-vous? Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné, oui? Eh ben, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui? Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici, oui. Et où ça, par ici? Là. Oui? Oh, peut-être bien là. Entre les deux, quoi. Entre les deux, ouais. Oui. Juste entre les deux. Mmh. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt. Il me semble bien. Oui, hein. Oui. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Aïe! Ah oui. Ah, on dirait que ça me fait mal. Ah. Monsieur Gabriel, reprenez-vous goût à l'existence? Je ne sais plus. J'étais fait pour mener une vie, j'en mène une autre, je ne m'y reconnais plus. Ah, ne vous plaignez pas. Mort la semaine dernière, vous allez renaître de vos cendres. C'est une aventure assez rare. À mon âge, venir au monde... Un peu d'homard? Si, nous aimons beaucoup le homard. Vous le décortiquez maintenant sans dommage pour vos voisins, hein? Il faudrait que je fusse bien maladroit. On m'a fait manger 16 homards en 8 jours. Et un peu de traminaire, hein? Si, je vous adore, on le termine. Si. Regardez-moi, souriez. Merci. Chin. Content? Apprenez-moi. Oh, excusez-moi, en vous regardant, je m'intimide. Pourquoi? Nous deux, nous formons une admirable médaille sans revers. Oh, je n'éprouve aucun plaisir à me voir toujours en face de moi, vous savez. Et puis, quand je nous regarde... Eh ben, j'ai l'impression de me répéter. Ben vous êtes mon bis. Un bis, vous n'êtes pas difficile. Oh non, mon vieux, je les ai trop vus, trop entendus. J'ai envie d'autre chose, ils me fatiguent, qu'est-ce que tu veux? Ils me fatiguent. Et moi, est-ce que je te fatigue? Mais non, toi c'est différent. Tu ne mens pas, toi. Tu ne me racontes pas tous les jours pourquoi et comment t'es venu ici. Ça me serait difficile. Je n'ai jamais rien compris à ce qui m'arrivait. Il flotte dans ma caboche une espèce de brouillard. Ah. Quand je pense à ma vie, il me semble que je n'y ai fait que changer de costume. J'ai d'abord porté la tunique de collégien, puis l'habit d'étudiant. Ce que j'ai appris à l'université, je l'ai complètement oublié. Puis j'ai été marié, j'ai porté le frac, puis la robe de chambre. Dans quel but, je ne vois pas. Puis j'ai porté l'uniforme de fonctionnaire du gouvernement, j'ai mangé jusqu'à mon dernier sou. J'ai porté des vêtements de plus en plus râpés. Puis enfin, j'ai fini par revêtir ceux-ci, les derniers de la série. Et tout cela comme dans un songe. Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me prête d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.